nos slopettes chaudes. Feet can keep on the ground. À la 45ème minute. Can't stay in one place. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est The Francification pour donc une nouvelle vidéo, toujours en votre compagnie, toujours en ma compagnie, pour l'épisode 5 de Battlefield 4. Et oui, on est déjà à l'épisode 5, il reste encore, je crois, une ou deux missions, donc on se rapproche pas très loin de la fin. Et attention, on s'est fait capturer, et là, ben attention, c'est la suite. Mission à Shanghai, Sergent Riker. C'était pourquoi? Oh, il y a de la torture. Coup de pied dans les couilles, bien sûr. Quelle était votre mission à Shanghai? Kimball Irish Graves, sergent. Oh là là. Laisse-le tranquille, espèce d'enflure! Malheur à votre tour, sergent! Riker! Riker, restez avec moi! Restez avec moi, Riker! Je vais t'arracher tes deux putains de bras, et je vais m'en servir pour cogner sur cette salope d'Anna jusqu'à ce qu'elle crève! Elle est son fumier de mari! Son mari? Quel mari? T'as perdu la tête? Tu me prends pour un demeuré? Le type avec des pansements? Je sais tout! Donc, il est vivant? Votre navire, c'est l'USS Valkyrie, hein? Quoi? Putain, mais de quoi tu parles? Vous ne savez pas qui vous avait fait sortir de Shanghai, n'est-ce pas? Mais qui c'est? Oh! Votre méchant chien! Mais le moins dit. Je rigole. Excusez-moi pour le bruit un peu bizarroïde, je sais qu'il y en a beaucoup pour d'autres d'entre vous qui ont dû sursauter, mais voilà. Riker. Ils disent que c'est votre nom. Dima? Vous savez quelque chose sur Jinjai? Je les entends parler. De vous. De Jinjai. Non, mais il était pas mort, Dima? Ils disent que vous savez quelque chose. Hé, sergent, réveillez-vous. Allez. Vous êtes américain, souvenez-vous. Vous pensez que votre pays viendra vous chercher? Non. Vous pourrirez ici. Croyez-moi. Vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Mais il y a des limites à ce que peut faire un homme seul. Une chaîne ne vaut pas mieux que son maillon le plus faible. Je vois que vous êtes fort, et que vous avez les compétences qu'il nous faut pour sortir d'ici. Alors je vous fais confiance. Vous comprenez? Sauf si vous avez envie de respirer cette puanteur pendant les quelques heures qui vous restent à vivre. Let's go! Quand vous avez survécu à une explosion nucléaire comme moi, ou que vous vous battez, quand vous affirmez le faire, vous ne pouvez pas mourir en prison. Il y a quoi derrière ce mur, hein? Encore la prison ou la liberté? Pas curieux? Suivez-moi. Ah, merde! Regardez où vous mettez les mains. Grimpez. Oh, on joue à Assassin's Creed maintenant. Sur le côté, il faut sauter. Na, 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 allez, na, sur les canalisations, sautez. Je vous ai bien ça pour ceux qui ont. Ouh là là, pour ceux qui savent chanter. Qui savent ce que je venais de chanter. Allez,
Vous savez très bien que je chantais du Assassin's Creed, étant donné que je venais juste d'en parler, il n'y a même pas deux minutes. Bien, si on reste ensemble, on survivra. Ok. C'est pas beau. Hein. Maintenant, attention. Si vous prenez une balle, je pourrais rien faire. Un marine mort ne sert à rien. C'est logique. Oh non, non, non. Hé, hey, mais je vois rien, mon masque. Je vais aller voir deux secondes. Ah, mais il y a des gens dessus. Ah non, mais je les vois pas. Oh, Assassin's Creed. Oh, ce meurtre. Allez, sergent. C'est bon de retrouver un but. Faire ce que je fais de mieux. Votre présence est inespérée pour moi. Elle a créé beaucoup d'agitation. La tour au centre permet de débloquer tous les verrous manuels. De là, on peut ouvrir toute la prison. Maintenant, attention. Toi, t'es mort. Trois balles. Je vais vous couvrir, grimper et neutraliser le verrou. Trois balles. Évitez les projecteurs. Ok. Restez baissés. Ok. Ah merde, il y avait une... J'ai plus que la porte-là est ouverte. Oh, les missions discrétion, c'est pas mon point fort, hein. J'ai une tempête, et on surfe dessus vers la liberté. Entrez dans la tour, ouvrez la porte, tirons nos décès. Oh, Projo, dégage. Fuck! Si, je t'ai dit que tu vas mourir! Y'en a un qui me tire dessus là. Prêt? Ah là. Non, c'est pas ça. Ah là. Ouah, tous les ennemis qu'il y a, les mecs! Non, 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 je vais pas mourir! Ah, il y a plein de prisonniers en plus. Putain, vous pourrez nous aider, les prisonniers, sans déconner, hein. En plus, on voit rien dans cette nuit noire. Voilà, ça c'est fait, du nettoyage comme on les aime. Ah, là il y a des alliés. Allez, feu les mecs, feu! Oh là là! Tiens, toi, mais. Allez!
Allez, tu veux essayer de me contrer là? Non, tu vas le bouffer quand même le couteau. Par contre, je me fais tirer par derrière, sale fils de pute. Non, cette mort horrible que je viens de me prendre. C'était moche. Qu'est-ce qu'il l'ordait? Comment ça? L'ascenseur est droit devant. C'est la seule sortie. Pas question. Merde. Piquez-les tous. Nettoyez le secteur. Donc vous voyez, c'est pas très dur, hein, c'est... Aïe, c'est juste, ça fait mal un peu. Voilà, on recharge. Ah, aïe. Juste à shooter sur des ennemis tranquillou. En fait, c'est un peu un entraînement pour le multijoueur, façon le solo, hein, c'est maintenant pour les FPS de ces années-là. C'est plus vraiment... un entraînement, bah, vous voyez même par exemple ça, l'élimination squad, normalement ça vous l'avez en multi, hein. C'est juste en gros en solo vous l'avez aussi avec un système de scoring. Voilà l'ascenseur, c'est trop facile. Où est-ce qu'on va? C'est le bon chemin? Oui, pourquoi nous aider? Je ne vous aide pas, c'est vous qui êtes en train de m'aider. Ah, t'as vu, le bouton, je suis aveugle. Ah, il y a des shintok. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. C'est qui, lui? Votre partenaire? Il est fiable? On est où? À Singapour, c'est ça? Elle était bonne. Votre amie plaisante. Je suis Irish. Et voici Riker. Pac. Pac. Oh merde, c'est vrai. Vous savez ce qu'il y a là-haut? Je parie que non. Tiens, sois sur moi. Vous pigez pas. Vous pigerez bientôt. Où est-ce qu'on est? Qu'ils passent les premiers. Ils se feront tuer. Va falloir suivre. C'est quand même étrange, hein, pour l'instant. Si vous êtes d'accord avec moi, pouce vert. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi... pouce rouge, bien sûr que non, je dis des conneries, ne mettez pas pouce rouge, hein, parce que je vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous avez votre droit, hein, mais n'allez pas vers jusque là quand même. Hein. Le mec a essayé de ramasser la grenade. Aïe. Je veux bien savoir où est-ce qu'on est quand même. On va pas l'avoir. C'est pas grave, on avance. Bizarrement l'ennemi n'est plus là. Là c'est très chaud les avoir, hein. On prend des munitions. J'ai failli crever, il me restait plus que 2 PV, mais je ne suis pas mort, car je suis le plus fort. Oh oh. Oh. Putain, mais hey, vous avez vu toutes les balles qu'il faut leur mettre quand même, hey, oh. Hop. Ça, c'est mon fusil à pompe, c'est pas celui de ta mère. Comment on fait pour ouvrir? Ça doit être là-dedans. Super. Affirmatif, vive de couverture.
sais pas par où. Ah! Pas bon de passer. Ça, ouais, on voit pas écrit un panneau. C'est par ici qu'il faut que vous y allez. Pas par là. Voilà, en plus, ces mecs, c'est une blague. Je t'éclate ta gueule. Voilà. Pas de problème. Bon, c'est où qu'il faut aller, les mecs? C'est bon. Ah, fallait tuer tous les ennemis en fait. Lol. C'est what vous avez vu, c'est quand même what the fuck, faut tuer tous les ennemis, tous, pas de panique, pour avancer. Merlock, je peux réparer ça. Allez, allez, on y va. Là-dedans. C'est où? Ok, c'est bon. Ça va, c'est bon. Ouais, j'espère que ça vaut le coup. Cette journée m'obsède depuis très très longtemps. Mon corps ne suit plus. Alors, tu vas y arriver, oui? Mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Des hélicos. J'ai besoin de temps pour la porte. Ça, il vient de le dire, t'es normal toi. Ils seront bientôt là, soyez prêts. Ramassez des clémores, des explosifs, tout ce qu'on peut utiliser. Oh putain. Oh putain, ils arrivent par les toits. Breaker, hélico au-dessus, ils viennent du toit. C'est bon, j'ai compris, gros. Allez, Breaker. C'est un putain de merdier. Pas de télé. Je vais prendre le lance-grenade. En fait, c'est nul à chier. Non, mais pourquoi ça me met le fusil à pompe? Ah, voilà. Non, pas là. Leur grenade que je déteste. Cordialement. Je pense qu'on va me faire défoncer. Faut que je change d'arme. C'est de la merde ce que j'ai pris. S'il vous plaît, je peux changer d'arme. Merci. Je sais même pas pourquoi il m'a mis ça, alors j'avais pas mis ça, mais c'est pas grave. Allez, on reprend la K12, et en arme secondaire, on prend la G36. Merde. Putain, elle est puissante la G36. Ah, je suis avec les... Mais gros, t'as cru quoi là? Oh, t'as cru quoi? T'es encore aveuglé, hein? J'ai besoin de temps. J'ai presque fini. C'est ce que je fais. Plus d'ennemis derrière moi. Si, là-bas. Affirmatif, je tire. Oh, c'est headshot. Attention. Ah.
Voilà. Munition, par contre, une peau. C'est bon, ils ne gêneront plus. Allez bien, Wrecker. Allez. Ok, Ruskov, ouvrez cette porte. Oui, oui, je sais. Oh yeah, c'est reparti. Hey, ça s'ouvre. Hé, oh. Hey, c'est coincé, bordel. Ça suffira. Oh putain. Attends, pourquoi c'était un truc bleu, on dirait un allié. Donc Jinji, pour ceux qui ne comprennent pas, c'était, je crois que c'était le président, bah, celui qui voulait devenir président en Chine et qui était un peu ouvert, bah il était ouvert quoi, il était pas le dictateur ou autre, lui il voulait être ouvert au Chine, à tout le monde quoi. Sergent, aidez-moi avec cette porte. C'était Monsieur Gentil quoi. Wrecker, j'ai ça pour vous. Vous avez gardé les jumelles tactiques? Mais qu'est-ce qu'on se dégèle? Où est-ce qu'on est? Regardez ça. La liberté! Bel endroit pour une prison. C'est vrai. Attention, patrouille là-haut, près de la tour. On peut facilement se cacher dans la neige. D'accord, je tire. Baissez-vous! Ouais, c'est vrai que c'est beau, hein. Putain, ça, je confirme encore, BF4, c'est largement beau, malheureusement, le multijoueur, voilà, multijoueur avec des crashs, non merci. Hein. On lance la grenade! Allez, go, 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 go! Char! Attendez, attendez! Une seconde! Prête à engager! Ouais, voilà, ça va être mieux. Un petit gadgetto, gadgetto RPG! Attention! Ok, mon RPG qui s'est pas lancé, tout à fait normal! Esquive, esquive, esquive! RPG! Ouais. Hey, utilisez les échafaudages pour vous rapprocher de leur blindé. Ah voilà. Ah mais il y a un bon petit gros bug mais bon. Est-ce que vous entendez comme derrière comme musique? C'est la musique de chargement sur les multijoueurs des moments. Ça vous dégomme la tête quoi. Ouais, tout clean, tout propre, y'a du feu, y'a du sang, y'a du corps. Oui, à couvert, je confirme. Merde. J'entends encore du shintok là. Bon, j'avoue que c'est un peu con de marquer qu'un seul ennemi, mais bon, c'est la vie. Oh, le sniper. C'est bon, il est mort. C'est un sniper là-bas. Et il est mort. Je suis sûr qu'on va devoir prendre le périphérique. Je n'ai jamais pris de ma vie. Oh, oh.
Je confirme, ils sont partout, ils me font mal. Putain, alors je vous avais pas vu les mecs là, putain, heureusement que j'ai compris qu'en fait ils étaient là. Ah ouais, mais la G36 elle est précise, je vous jure. C'est abusé. Je tire. Excusez-moi, mais il y a des moments où c'est vraiment... Aïe 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 aïe. Putain, cache-toi, cache-toi. Oh non. Non. C'est moche. Oh là là, vous avez vu où je dois recommencer en plus. Eh bordel. Ce jeu m'en veut, hein. C'est un cas. Oh, 14 PV, ok, je reste, c'est bon, j'ai compris. Recharge, on envoie des grenades. Et... Bon. Bien sûr. Et vas-y, il se barre comme par hasard. C'est une charge de sniper là. Cette fois-ci, j'ai tué bien tous ensemble, ceux qui sont dans la tour là. Ça fuck off quoi. Voilà, on fait bien gaffe. Les mecs ils passent devant, c'est mes alliés. Et l'américain regarde, vas-y, dis moi cousin, regarde. Non, mais arrêtez de me parler comme ça, bande de bâtards. Il a crié comme ça le mec. Oh là là, mort de ces moments dans la campagne de BF4. Merde, ça c'est ma petite copine. Oh, bonjour monsieur. Allez, on y va. Mais... Oh merde, j'arrive pas à le cuter quoi. Oh, coucou. Hop, oh, on va. Aïe, ça fait mal. Ce quoi, il s'est tué. Y'a plus... J'attends plus que vous, hein, malheureusement. Eh ben, c'est intense quand même, hein. Ouais, un mur invisible me bloque, ah voilà. Mais quelle merde. On se croirait dans une boîte de conserve. C'est une meilleure idée, Irish. Tu as dit que Jinji était pas mort?
Chang n'a pas réussi à l'avoir. Maintenant, il est sur l'USS Valkyrie. Ouais, ton mari, entre guillemets. Oui, c'est juste une couverture. Si Chang découvre où il se trouve, l'avenir de la Chine est menacé. J'en ai rien à foutre de la Chine. Tous ceux qui sont sur ce bateau sont menacés. On peut pas y faire grand-chose, mon ami. Mais t'es qui, toi? Putain, mais c'est qui, ce mec? Ça faisait partie du plan! Hélico, on approche! Bah, voyons! Ah si, ça va. Et putain! Oh! Ça va se crasher. Oh, oh mon Dieu! Oh regarde, on fait du snowboard. Je crois que Jima va mourir là. Putain, il est irradié le mec. Alors en plus il y a ça comme choc. Je survivrai. Le russe est bien mort. Au moins il est mort libre. Allez, on a encore un long chemin à faire. Putain, c'est comme ça que Jima il meurt. Oh que c'est moche. Et pas qu'il est mort alors aussi. Vérification des systèmes. Les ondes courtes fonctionnent. J'ai aussi la surveillance électronique et quelques récepteurs. Quand on approchera de Suez, essayez de joindre Ismaïlia par antenne directionnelle. Jusque-là, silence radio. Reçu, capitaine. Des nouvelles de Tombstone? Aucune. Et aucune trace de leur balise non plus, capitaine. Si on reste ensemble, on s'en sortira. Deux jours plus tard, et malheureusement, je pense que ça sera très grave vu que c'est la nouvelle mission, et donc du coup, moi je fais toujours un épisode par mission sur Battlefield 4. Voilà. Oh, c'est dommage. Encore une fois, c'est un moment où ça se finit super bien. On se finira là donc pour l'épisode 5 de notre playthrough sur Battlefield 4. Encore une fois, je m'excuse pour ceux qui voulaient que je parle beaucoup plus, mais là, il n'y a pas vraiment de moment où on peut vraiment parler plus ou dire quelque chose d'intéressant. Peut-être si vraiment vous avez des critiques, donc dans les commentaires, vous avez des critiques comme dire ouais bah tiens tu pourrais raconter ce que t'as fait là, etc. Bah là vous me direz quoi, mais pour l'instant honnêtement je ne peux rien dire là de plus de plus dans le playthrough. Donc voilà, donc merci à vous tous d'avoir suivi ce playthrough en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à plus et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.